Yep. Yéna. Coucou. Hello. On fait le GVG et après on attaque. Il n'y a pas de micro. Ou alors à moins qu'il ait changé et qu'il y a peut-être un micro, mais normalement il n'y a pas de micro. Il y a juste le casque. Le micro il est cassé. Coucou, je n'ai toujours pas le micro, je serai là avec Laurine. Ok! Deux places, ça marche. Et coucou à vous deux. Perso. Il a deux persos, lui et sa femme. Deux persos chacun. Non, non. Vous avez combien de persos à passer, Yana? Il manque Trindle, tu viens pas? Ici. Je sais pas, je t'ai invité, si? Je viens de me poser sur le perso. Ok. Il y a un problème d'escalier, j'ai le corps qui disparaît. Ton personnage? Je passe à travers les escaliers. Ouais, ils ont trois chacun, mais à voir après d'ici non un ou deux. On va une nouvelle danse, Rag, au fait. C'est celle-là. C'est celle-là? Oh la vache, putain. Ah ouais, c'est celle qui est donnée en... Ok, d'accord. Super. Je vous... Vous êtes prêts, les copains? Oh, t'as pas le temps qui reste, va te mettre en place, hein, t'emmerdes pas. Elle est absolument ridicule. C'est quoi déjà le recours, ça? Va très bien avec ton armure, hein. Tellement viril, tellement viril, mais tellement... Allez, le fufu, pas de dash, rien du tout. Et puis, si ça passe seul, tout seul. Et puissance! Voilà. Dis donc, ouh là là là, 1400 points de gagné, 1400 points vraiment durement gagnés. Allez. De toute façon, on a de la place, hein, ce que j'ai envie de regarder. Mais... Une place, du coup. Je pense que. Pouet pouet au Keltas. Je pense que. Aliana, je pense qu'ils pourront faire les trois.
Les trois Valtan avec nous. Vu le nombre qu'on inscrit. Du coup, je sors la sorcière dès le début ou... Tu fais ce que tu veux. Mais selon... selon ce que vous ramenez, en fait. Je ramène Paladin 1460. Et bon, après, moi, c'est que des supports sauf un. J'ai deux supports à passer, une DPS. Disons que là, je ramène mon perso le moins fort et c'est une Slayer 1530. Oui, bon. Même si on sort l'image, on va quoi que... mais en fait, c'est pareil, ma faucheuse, elle est 30, enfin, du coup... C'est pas nul, mon perso. Voilà, enfin, c'est pas des poubelles, quoi. Voilà, donc t'embête pas et viens avec ce que tu veux, c'est pas ça pour l'importance. Je ramène ma pugiliste 1351. elle a pas le droit. C'est créé Aliena. Ah oui, je sais, j'ai pris la plus nulle. Celle que je ne joue pas, que je vais supprimer. Et j'ai mieux que toi, 231. Vous pouvez venir tous les deux, Aliena. J'ai mieux que toi, ça, c'est... même pas 50. Il est même 50 niveau, même pas. Ouais. Créé, pas joué. Il fallait faire un minimum d'histoire pour la mode qu'elle soit 50. C'est chier. Oh. Pas question de payer pour l'accélérer. Mia qui se cache au port Chrono. Hein? Vite! Courir! Bateau! Frappé! Oh merde, je suis quand même rentré dans le bateau! Et une TP en plus! Une! Oh, fait exprès! C'est ta faute là! Toi qui as couru dedans, c'est. Première règle, toujours accuser les autres. C'est qu'à sa faute à Kakul, il était là. Ils peuvent postuler du coup Neria. Ouais, mais je voyais Malicia de Neria, j'étais en train de chercher si c'était un chez eux. Mais j'ai pas. Malicia, c'est la deuxième. Ah, je connaissais pas. Alors attends, oui, tu peux prendre Malicia. Je l'ai demandé en ami du coup. Je n'ai pas en fait. C'est ma meilleure amie, je ne l'ai pas en ami. Ouch. Bah bravo. Bah ouais. Dégage, arrête de bouffer ça, mon chat. Sinon, je te mets deux tartes encore. La première, tu l'as pas vu venir, et bah la deuxième, ça sera pareil. Maltraitance animale. Ah, et en même temps, quand je vois le perso, j'aurais dû me douter que c'était Laurine, effectivement. Et Lilia, c'est Aliena. L'artiste. Deux, tu sais. Voilà. Sauf qu'il n'a pas remarqué que j'étais à côté de lui. C'est PU ou... Ici, il y a du monde, mais je pense que, à mon avis, ça sera PU. Il y a personne sur le chat là qui veut faire un Valtan HM. Les cornes. Elle frétille, ces petites cornes. Ah oui. Elle pétille. Ok. Bah, j'ai personne, donc PU. Les persos sont pas moches, hein, c'est faux. Non, mais je vais pas regarder de près. Ça, Grendel, du Mococo. Et où est ? Bah, juste à côté en dessous de nous. L'arc-en-ciel. Oh, putain de merde. Bang bang. J'ai demandé Laurine en ami sur son. La Mococo vient t'attendre avec nous. Non, mais sur sa spirit, si elle peut m'ajouter. Ah, ça nous relève le. Mais au secours. Ça marche pas là. On va sur le décolleté là. Et... C'est des câlins ça. C'est bizarre non. Et Lilia c'est celui de Lucas non. C'est ça. Transperce là. C'est l'artiste de Lucas. Il faut que je l'ajoute aussi en ami non. Pas trop des câlins. Ouais, je regarde ça. Il y a pas de collision, c'est problématique. La collision entre les joueurs dans un MMO, ça pose jamais de problème. Jamais. Non. Ah non, transperce. Ah
Regarde le PVP. On n'est pas physique. À moins que ce soit l'artiste de... QTA. L'OTA. Ça va? Mais toi? Bah, du coup, t'as raté le premier, donc t'as tout ton temps. Vas-y, Mélorine en 8. Sinon, sauf si elle sait faire. Ouais, prends-le une en 8, ouais. Donc moi je suis en... Je suis en 5. Il est prêt. C'est pour Lorine. Ah. Ah, pour Malicia, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était qui, 7 et en, 7, c'est Lilia. Malicia est en 8. Ouais, Kate, la boule en 8. Ouais, Liana, oui, quoi, il kitera les deux. D'ailleurs, je l'ai chopé, putain. C'est bon. Bah non, non. C'était quoi ce bazar? Il y en a une qui a été bouffée, je sais pas où, mais en même temps. Mon somme, tu l'as mangé la tienne? Je t'ai vu courir avec. C'est une boule qui avait été prise en bas, je crois. Non, c'est en box, ça a merdé. Ouais, une rouge, je crois. Ah, c'est passé à... ah, il s'est passé un 5 sur Pulneria, donc moi 6, mais c'est là que ça a foiré. Bah, moi quand j'ai vu celle d'à côté de moi disparaître, du coup j'ai pris la suivante quoi. Ah ouais, mais il y a eu un truc de couleur pour que ça foire. Mais alors. Mais je suis middle black. Ah non, pas encore, pardon. C'est bien de pinguer là où il y a la... T'as vu ça un peu? Mais c'était pour vous dire attention, il y a un truc là, vite! Ne pas aller là! on pourrait croire. On boit un thé? Prends le thé, ouais. I, aïe, oui, aïe, i. Oh, j'ai brûlé. Oh. Ah les gens, les gars. Oh la nuit, faut safe à mort. C'est ça, joue safe. Lorine passe en 7. Neria, essaye de... C'est ce que je vais faire. Je vais prendre... Non, merde, prends pas. Je
aussi. Merci pour le sacrifice. Oups. En bas, c'est nous. Ah oui. Ça beurre violent ça si tu restes. Ah oui, bah je confirme hein. Mais c'est bon, tiens. la G1 là. 1300 aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Minette ? Soulager. Et c'était moustille. Je sais pas. Tu sais pas. J'hésite. Alors c'est pas ce qu'on y voit. Hein. Les coraux. Pour faire la sorcière. Pour faire la sorcière. Ouais, tu sais, là dans le, sur l'île des Mokos. Ah oui, ok. Pour faire comment, on peut être transformé et après rentrer dans un truc. C'est ça, c'est un event en fait. C'est comme une île timée en fait. Il y a des horaires. Dans 3 minutes. Ouais, bah c'est pour ça que j'y suis, mais je sais pas. Donc tu vas sur l'île. Tu vas sur l'île. Par contre, t'y as déjà été ou pas? Non.
Ah non, alors tu pourras pas le faire. En fait, faut déjà que tu fasses l'histoire. Ah, mais j'ai fait la... j'ai la quête là, il faut que je. Vers la maison de la sorcière. Oui, okay, donc c'est bon. Je suis top 5, donc c'est bon. Tu vas dans le village et tu vas dans le village Mopoko en fait. Il y a un portail qui va s'ouvrir quand l'heure. Avec un panneau juste à côté. Ah, c'est ça le panneau. Oui, c'est ça le panneau. Ouais, ça donne les horaires. Ok, super, merci. Ouais, en même temps, il y a plein de gens. Oui, en général. Et après, c'est quoi? Tu te bats avec ton marteau et c'est tout? Oh, c'est marteau, compliqué. Ton épée, ton. Ta baguette? T'as les trois armes, tu choisis comme tu veux, sauf que tu peux pas mourir de toute façon. D'accord. De toute façon, arrive un moment, t'es plus ou moins obligé de suivre, je peux pas te dis donc, Mia, on a vu des choses. C'était mon cul en plein sur l'écran là. Mia, elle est démonstrative! Mia est démonstrative aujourd'hui, c'est bizarre. C'est fait. Voilà. Ça se voit que c'est les vacances et qu'il fait chaud, hein. Il y avait pas grand chose de culotte dessous, hein, on a vu, hein. Si, il y avait pas. Oh, moi pas j'ai pas vu de culotte, hein. Oh, ouais. Et donc... Bah oui, j'ai regardé, moi. Mes yeux, j'ai des yeux pour regarder, je réjouis de la nature de ce qu'elle offre mes yeux. Je comprends, vu que ma sorcière est plutôt jolie. Ouais, non, t'emballe pas non plus quand même, mais. Bon, ouais, Attention! Bah, t'en as tué deux, bravo! Moi aussi, j'ai mort depuis. Ah bon, ils sont déjà morts, j'avais pas fait gaffe! Bon, moi j'ai slacké dans tout, hein, j'étais en ce moment de toute façon. Aïe, ça fait mal ça. Ah oui, ça par contre, oui. Il était loin. Ah ouais. Je suis lent, hein. Oula! Poutine! T'es lent, mais t'as beaucoup de choses pour tanker. Oui. Mais là, je l'avais pas. Ah, un sang violet. Ça peut se tanker, si t'as des charges. Ouais, il faut des charges. Aïe 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 aïe. Et quand il retombe, il te bum, je te rappelle. Ça, c'est le 4 spell violet. C'est un courageux. Ah, mais c'est surtout que de toute façon, il me bum quand je suis atterri, donc ça marche pas, ton. Sur cette méca. Ah, quel dommage, t'as pas la bonne attaque. C'est pour ça. Sûrement. J'ai failli lancer une épée. J'ai pu vous tuer là, closement. Il y avait des bras en l'air. Hein. Oui, c'est bien. J'étais heureusement que aussi. Hein. J'étais à deux doigts de pas m'arrêter. Hein. Bah là, on l'a pas. Ah mais c'est un truc solo. De quoi? Non, solo, tu... ah non, t'as pas fait une recherche. C'est pas grave, c'est pas le solo. Ah merde, je peux sortir? Non, mais fais-le en solo. Franchement, tu peux pas mourir. Donc prends le temps que tu veux. Quoi? Bye bye Mia. J'étais bon, mais ça a compté comme si j'étais dans un rôle en fait. Et le pilier. Non, c'est pas merde. Moi, je vais arrêter de venir au Valtan. Bah, tu viens déjà plus au Vicas. C'est ça, tu viens déjà plus au Vicas. Ouais. Je suis triste après moi. Du coup, tu vas faire des cacoules à la place. C'est ça. J'adore le contre qui porte à 15 tonnes de loin, quoi. 15 km, pardon. C'est troll, c'est mon style. Il fait là. Ah. Enfoiré. Enfoiré.
Edin. J'ai trop bien joué. Oh. Que j'étais là. C'est vrai que la passe fantôme, sans toi, c'était mort. Hein. Bring me to life. Bring me to life. Bon, bah, Jovi. Hein. Faire la pom-pom girl, moi, je crois, maintenant. Regarde, t'es quand même dans le MVP. Oui, bah, je suis en première. T'es mort, t'as plus de dégâts que moi. Ouais. C'est nul, ça, non ? Prenez les os, hein, Yana ou Laurine. Hein. C'est vraiment le perso qui ne fait pas de dégâts. Prenez les... Voilà. Prenez les, hein, parce que sinon... Ah, moi, sinon, je les prends, hein, ça fait une piste stone. C'est ça, mais autant les prendre. Prenez les, hein, vous en avez besoin. Hein. Rien, tu peux oublier, hein, tu peux les oublier, hein, c'est bon. Hein. Non, non, celle-là, elle est pour moi. C'est pas grave, Tigrou, merci encore en tout cas. Mais ouais, peut-être pas dû dire que tu l'attendais, ouais, clairement. Bon, après, c'est pas très grave. Il a gagné une déco, quoi, c'est tout. C'est dommage. Il peut encore pas gagner d'or. Ouais, ça. Une gemme X6. Hop là. C'est ça, Tigrou. Bon, les concerto des chats, quoi. Hey. Privé. Ce qui va venir pour les prochains. J'ai vu. Du coup, il ne nous restera qu'une seule place, Aliana ou Laurine. 3, 6, 7. C'est ça, on avait un PU de place. Ouais. Du coup, il y a Athéa qui arrive, donc j'enlève le PU, plus Arceus. Ouais. Du coup, ça fait plus qu'une seule place. Voilà. Yep. Faut prendre quoi? Que ce que tu veux. Comme McDo. Oui, comme vous êtes. Exactement. En plus, il y a les verres McDo en ce moment. Oh, quand on y est allé, on a pris 2000 machines sur le front tube, on les a pas eu. Ouais, parce que. Ah oui, mais nous, quand on a commandé la borne, effectivement, quand tu vas à la borne.
T'as une option pour commander ton maxi best-of et une option pour commander le maxi best-of plus les verres. Ah. Et ouais, on s'est, nous, la première fois on s'est fait avoir. C'était. Bien ça... sûr, il y avait plus cher avec les verres. Bah oui, forcément. Ouais, forcément. Et il y a la saison, il y a une ou deux saisons effectivement avec ma femme on commande, tu sais, machinalement on prend. Et là on dit putain mais c'est bizarre, on n'a pas les verres. Enfin tu sais, à la fin de la commande. Du coup on retourne en arrière, on regarde sur le menu et là effectivement il y avait bien deux onglets. Un pour commander avec les verres et un pour commander sans les verres en fait. Du coup on a tout annulé, on a commandé avec les verres. Mais oui effectivement c'est pas hyper intuitif les c'est. Je prends ma sorcière. Le marketing. Et Aliana vient en artiste. Donc du coup ça sera avec. Très ça, bien. C'est quoi le nom de l'artiste? Lydia, elle sings. Ok. Like one. C'est étrange, mon chien. Oui, c'est étrange. Oui. Oui, je t'aime. Mais bon, plutôt, Naria. Ah, mais j'ai fait ma demande. J'ai fait ma demande. Eolia. Oui. En sorcière. Ouais. Et pas l'habitude. Ouais, mais là, c'est pareil. Je suis en train de lui faire le stuff et puis la conversion d'équipement. Une fois que j'aurai fait ça, ça sera bon. Attendez, vous pouvez refuser, s'il vous plaît. Ah. T'as pas l'air décoché. Ouais. Et bah décoche, ouais, merci. C'est bon. Sûr. Ouais, c'est bon. Certain c'est vrai. Non, parce que sinon je refuse. Hein. Non, c'est bon. Qu'est-ce que ça se traîne les persos spé quoi? Oui. Oh, ça me casse les. C'est pas vrai? Oh, je suis spé. Oh, m'en parle pas, ça me gonfle. Oh, j'ai pas regardé la G2 de Valtan, tiens. J'ai oublié. Comment ça, regarder la G2 de Valtan? L'XP, tu sais, l'XP d'expédition, j'ai oublié de la regarder. Faire un rappel du guide, tu veux peut-être une méca que tu comprends pas derrière. Comment? Une méca que tu comprends pas derrière. Non, l'XP d'expédition, voir ce que je comment ça gagne. Parce que pour le moment, en tout cas, de ce que j'ai vois, c'est que Argos c'est quand même vachement rentable par rapport au reste. Hein. Bon, c'est pour ça que je vais faire des Argos. Hein. Ouais, mais enfin bon, ça gagne techniquement, ça gagne déjà 4 fois plus que... 4 fois plus que les Brel quoi. Ouais, non, juste pour l'XP des... Ouais, mais vous n'en avez peut-être pas besoin, vous. Quand même. Bon, après, ça fait des cartes, hein. Vous laissez les Reapers en 3 et 4, vous allez tout prendre ce stade-là, hein. Oh, c'est à Valtan, hein. On est pour en raid. Tranquille, tu lances tes grenades et tu lui tapes sur la gueule. Moi, je lui mets le doigt dans le cul, je peux dire que Stagger va partir. Hein. Bah le pauvre cul quand même. Je... Non, oh là là. Normal. Il aime bien les boules. Ouais. Tiens, prends-toi ça dans les dents. il a pris un putain de burst là. Ah, il a pris un 188 millions dans la gueule. Ah bah j'ai eu un 120 en full combo. Ça a utilisé potion d'atropine. il a encore triché. Oh, ça a utilisé ténèbres. Il a tous les trucs dans leur chance. Ah, je peux juste me parler. Hein? Je m'étais. Hein? Allez, bientôt. Oh bah. Le moment du taunt. Putain, j'ai pas le temps de poupoute. Putain, c'est ouf! C'est de la merde! Ah, t'es déjà mort? Bah ouais!
J'étais en... même que tout à l'heure, 5. J'étais en 5. Du coup, on se décale? Ouais. Ouais. Putain, ça me gonfle. Où je calque les deux boules? Tu veux le 7, il prend... Enfin, c'est... Ah, j'ai pas pris ah bah, deux. C'est déjà mort. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vais jouer un peu plus safe. J'ai fait les chiffres instantanément, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a bien pris jusqu'au 3, et après, je sais pas. Je vais la jouer plus safe. C'est passé direct à 6. Une question de jouer safe, Naria, regarde ta vie et sois prêt à appuyer sur des potions. J'étais en l'air! Tu joues une classe squishy. J'étais en train de voler! Mon perso, il est en train d'apprendre à voler. Il joue du papier mâché, différent. Je vois rien, tu peux utiliser tes potions pendant que tu voles. Ah d'accord. Je vois bien le truc, oh putain, je suis en train de voler, le mec! La nana, elle sort la potion du... Sur le ralenti, t'as les dramas coréens. Et non! Fils de ta maman, tu m'as pas eu! Heureusement. Mais reviens là! Ingav. Mecha. Bon. Quand je dis qu'il faut que je mette super armure sur tous mes persos, c'est pas des conneries. C'est pas vraiment une option derrière. J'ai prévu, hein. J'ai dit attention. J'étais full vie, quoi. Ouais, mais t'es resté dans toutes les zones qui ont pété. Je les ai pas vues. J'ai pas vu le télégramme. Ah, mais c'est pas un télégramme, c'est les petites saloperies qui crachent au sol et qui explosent après. Je les ai pas vues par terre. Ça change pas, sinon je serais pas resté, quoi. Sans arnaquer. Il faut que je fasse efficace avec cette bouse. J'ai même pas envie de mettre les pieds à Vikas avec elle. J'arrive à gros mêler. Non, je disais que ça me fait chier parce qu'il faut que je mette les pieds à Vikas avec elle et ça me casse les noisettes. En même temps, si une perso te fait chier, arrête de le jouer. C'est une solution très simple. Y'a rien qui t'oblige de la jouer. Je voudrais bien moi la mettre relique, quoi. Mais bon, si c'est pour faire la gueule à chaque fois que tu sors le perso, je vois pas bien l'intérêt. Juste pour pouvoir faire les compos une fois qu'elle est relique, quoi. Mais ouais, c'est vrai, je pense. Mais si c'est pour faire du gardien et du machin, t'as pas besoin qu'elle soit en relique. Hein. Mais c'est tellement vrai. Les KO, tu t'en sortiras dessus, toi t'en sortiras en légendaire, je t'assure. Oui, 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 non, non, mais t'as raison.
Un mode fantôme, c'est ça, Okeltas. Dès que je suis mort, je reviens en mode fantôme et je peux balancer tous les spells que je veux. Ah, une richesse de sorcière, la nuit. Y'a de la coraux ? Oula, c'est une excellente question, j'en ai ça. J'en ai si vous voulez. Bah vas-y. Bah go. Allez. You will. Chier. Je vais prendre autre chose pour qu'il casse. Casse les noises. Je la joue pas assez aussi, donc c'est vrai que l'un dans l'autre. Ouais, t'as une autre solution pour simplifier le gameplay, c'est de la passer en reflux. Hein. C'est vrai. Faut pouvoir croire qu'Ignator est la seule spévia. Oh non, clairement, oui, oui, t'inquiète. Ça va, y'a pas de soucis. Le reflux est un peu moins fort, certes, mais ça reste tout à fait valable. Hein. What? Je lui ai passé à travers avec mon pointeur.
tu sais, auquel t'as, c'est pas le principe de mourir, hein. Si je veux jouer support, je peux, tu sais, je peux jouer mon tank, ça m'allait très bien. Hein. Ou pas le tank, il m'allait très très bien, hein, t'inquiète. Mais c'est vrai que ça... La sorcière, ça me casse les noisettes, hein. C'est pas que c'est pas simple, mais ça me casse les... Ça me casse. Oh, ça fait très plaisir, ça. Une chandie. Waouh. Oh, GG. Tiens, un ténacite invaincu, tiens. En tenace. Moi j'ai une barricade. Ah ouais. C'est bien ça. Mais ça c'est pas bon, ça c'est pas tout. Il y a quelques classes qui le jouent. Dont le Destro je crois, non? Normalement non. Mais je crois que c'est possible. Je la joue moi la barricade. Si tu mets pas de poupée maudite. Gunlancer et Arcaniste, je joue barricade. Avec plaisir Aliana. Arca, tu mets plus. Ouais, on n'a pas un autre? Le scout, toi tu joues héritage. Ah, tu peux encore sur l'arcana, mais c'est plus le petit. Tu en fais pas d'autres, Aliana? Il me semblait que t'en avais tu disais que t'en avais trois, non? Je crée le groupe. Sur Discord, Aliana. Non, il n'a pas de micro. Ah, ok. Je me suis dit... C'est bizarre. J'ai créé... D'accord. Putain, le chat... Valtan, religion. Ah oui, forcément, si je suis sur Vikas, j'aurai du mal à le trouver. Je vais jouer avec Lorine, je vais racheter un micro bientôt. Ok, ça marche. Bise à vous deux. On a plus eu ce coup-ci, c'est ça? Yep. Moi aussi j'ai chaud, mon chat. C'est pas une raison pour me coller encore plus. On va avoir tous les deux encore plus chaud, du coup. Bah, DPS, sup. Bah, comme tu veux. Je suis en sup, moi. Il est en sup. Je sois un sup. Oh putain! Non, mais c'est bon. Moi aussi je t'aime, mais reste où t'es. Allez. Non, arrête de me grimper dessus. Allez, s'il te plaît. Bouge. Mais dégage, enculé! Ça fait mal! Elle me mord parce que je la dégage. Non, mais ça sert à rien de revenir, hein!
cool. La TA, c'est la Mancia. Ah, attends, je sors de l'île. Je sors de oui. Non, mais c'est bizarre que ça compte comme un donjon, l'île du bambou illusoire. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est chelou. Parce qu'à la base, c'est une île instanciée que t'as pour l'histoire. Donc ça doit être pour ça. Bizarre. Et oui, moi aussi je t'aime mon chat. Soul, prends ta place, sinon je m'en ruine. C'est 5 en fait, hein. Mais bon. Bah, c'est toi qui tourne. Oui, il moi j'attends. La chaise à... Ma position était déjà prise. Hein. Il fait du Mia. Mais non. Bah, tu tournes en rond aussi de temps en temps. Copyrighté. Bah oui, c'est copyrighté. Pour ça, je dis il fait du Mia. Non, c'est le team Mia. Yes. Bon Soul. Ah ouais, mais ça d'ailleurs je les ai pas vus ça tout à l'heure.
pas fait chier à bouger quand même. Qui saoule. Oui, alors peut-être avec les bonnes popos ça marcherait, avec les bons trucs ça marcherait mieux. Voilà. Du coup. Et j'irai pas en Vicas par contre aujourd'hui. Je stopperai après ce Valtan. Fatigué. Ah oui. C'est aussi pour ça que je suis un peu grincheux. Non, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Bah ouais. Ah! Il y en a un peu bas. Génial. Il va s'envoler. Ça a été un sacré burst, purée. Qu'est-ce qu'on a pu lui mettre? Ah, c'est toi et la barbe. Eh, c'est moi. J'ai balancé un truc, bah il s'est envolé trois fois, donc c'est trop bien. Ah ouais, t'as fait la même sur les loups. Hein. Oui, tout à fait. Quand elle était en train de se transformer en violet, t'as bon ça. C'est ça. Ça arrive. Hein. Ouais, bah ouais. En fait, je pensais pas. Mauvaise influence. Tout de suite. Pauvre. Non, je pensais qu'il retomberait plus vite que ça, en fait. Vu que c'était un 2 barres, je pensais qu'il retomberait plus vite que ça. Du coup, je me suis pas trop inquiété. Puis quand j'ai vu que derrière, il faisait les trucs, j'ai fait. Oh. Non, pour une mauvaise influence.
Mais mon cœur. Non. Si tu me laisses... Si tu me laisses 5 minutes, c'est bon, ça, c'est bon. Ah, désolé. Et l'heure des médocs. Ce serait vachement problématique si on venait à retry. Ouais, non, mais non. Je sais bien que ce serait pas problématique, je sais très bien, mais je suis pas fan de partir un truc en plein raid comme ça. J'arrive, mon cœur. Bon. On a encore eu de la chance. Oh, il y en a qui a fait plouf. Ouais. J'ai vu des talons qui sont tombés, mais j'avais pas su dire ce que c'est. Ah. Ouais, bah oui, j'ai vu des talons tomber, mais j'aurais pas su te dire quel perso c'était en fait. 1450. Carte Valtan. GG. C'est bien ça, c'est pour le set caillonge. Pour le set pour faire caillonge. Putain, oui, Argo, c'est vrai que ça donne la blinde, hein. Bordel de cul. Ouh, équilibre. Hop, allez, tac, je récupère ça. Allez, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vais arrêter là. Repose-toi bien. Merci, oui. Ouais, ça avait l'air de me reposer. Passez une excellente soirée, merci encore. Je vous fais des bisous. Bon les amis, je suis désolé, je vais arrêter là. Je suis crevé pour ce soir.
J'étais pas de très très bonne compagnie. Déjà en plus, effectivement, la sorcière, c'est pas vraiment un perso que j'apprécie jouer. Du coup, c'est vrai que bah, l'un dans l'autre. Voilà. Donc, et puis de toute façon, ouais, je suis pas dans de bonnes conditions là. J'ai trop fatigué. Et puis la fin du stream de cet après-midi m'a quand même un peu bien fait chier. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il y aura pas, je vais pas raid de j'ai peut-être pas raid de tout à l'heure, je vais peut-être raid maintenant. Ça pourrait être pas mal. Attends, on va regarder qui c'est qui fait du Lost Ark. Ah bah il y a Franck. Bah on va aller, allez, on va raid Franck. Je me suis fait stream hack. En fait, si tu veux pour l'histoire, Ogeru m'a raid. Et après en fait, j'avais du monde sur le stream, j'étais super content, tu vois, on était 30. Du coup, c'est extrêmement rare que, en dehors des raids, c'est extrêmement rare que j'ai autant de monde sur le stream. Et en fait, il y a un stream hacker qui est venu et en fait, qui m'a fait chier deux fois de suite. Du coup, j'en ai eu marre, j'ai déco parce qu'en fait, ça allait continuer. Donc, du coup, j'ai déco. Donc, du coup, je suis pas hyper content parce que le problème, c'est que j'essaye de me défoncer pour avoir du monde sur le live. Là, j'ai eu la chance d'avoir Ogiru qui m'a fait un joli raid de 40 personnes après toi, Keltas. Et du coup, j'étais tout content. Donc, on a commencé à perdre un peu de gens. Mais bon, à 25, on était 20 à 25, c'est bien. On est monté à 30. Et en fait, à 30, il y avait un stream hacker dans le tas. Et puis, du coup, bah, en fait, bah, j'ai pas fait de raid pour pas l'envoyer. J'ai pas fait de raid pour pas l'envoyer chez un autre streamer Star Citizen. Donc, du coup, il y a 30 viewers qui sont pas dans la masse. J'ai fini quasiment une heure plus tôt. Alors que j'aurais pu. J'avais 30 viewers, donc j'étais vraiment super content. Donc ça fait chier. Donc du coup, voilà, ça casse les couilles au moment où tu as un peu de monde. T'as un abruti qui fait chier le monde, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. C'est juste embêtant. Et ce soir, en plus, là, je suis fatigué, donc du coup, ça, je suis pas de bonne compagnie. Donc voilà. On se démène pour avoir du monde. Et quand t'as des super personnes qui t'aident et qui t'apportent du monde. Au final, t'as des abrutis qui viennent et qui font chier comme d'habitude, quoi. Donc du coup, voilà. J'ai passé une super après-midi avec la corpo. J'ai passé une super après-midi du moment où j'ai été raid par Ogeru, que l'autre était là. C'était ça a duré 10 minutes, mais c'était 10 minutes d'enfer parce que la première fois, il est rentré dans mon vaisseau, je l'ai pas vu. Du coup, il m'a tué dans mon vaisseau. Je dis ok, legit. Enfin, le mec, il arrive sur le bunker, machin, pas tout ça. Du coup, Tigre Noir mate le replay. Là, il me dit qu'en fait, c'est un stream hacker. Et derrière, en fait, je repars sur un bunker. Donc, je me relève, je reclaim le vaisseau, je repars, je me rééquipe, je repars. Et en fait, le mec, je sors du bunker. Le mec, il me bazarde à coup de missile sur le vaisseau qui est au sol, arrêté, tranquillou, quoi. Donc, je dis, en fait, voilà, quoi. Je pense qu'entre-temps, le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti désactiver le comaret. Parce qu'en fait, j'ai pas pu lui mettre de crimstat sur le deuxième. Du coup, le mec, il est parti désactiver le comaret le temps que je fasse le bunker. Et après, il est venu me voir. Vu qu'il sait où je suis, c'est pas compliqué, en fait. Ouais, un relou, mais bon. Le problème, c'est que ça pourrit l'expérience de jeu, quoi. Mais bon. Voilà. Donc voilà, donc du coup, c'était pas ouf. Le reste de la journée a été vraiment top, mais les 30 minutes de fin. Je comprends pas comment il y a des jeux qui peuvent être aussi abrutis, quoi. Parce que j'ai rien contre la piraterie, que le mec il me tue dans mon vaisseau, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est le jeu, j'avais qu'à être vigilant, point. Mais c'est pas compliqué, le mec il a mon stream, il sait où il est, il sait où je me trouve, il peut m'abattre quand il veut, en fait. Et pareil pour le. Pareil pour la deuxième fois. Il savait où sur quelle planète que j'étais. Il est parti désactiver le comoret. Comme ça, tranquille, je peux le buter, pas de crimstat. Derrière, je balance le truc. Je fais mon bunker, je ressors, je monte. J'enlève mes affaires, tout ça. Je commence à monter dedans. Et là, je me suis pris une décharge de missiles dans la gueule. Le vaisseau, il a été plié en deux secondes. Parce que, bah, il était posé au sol. Il n'y avait pas les moteurs d'allumer. J'avais rien. Il y avait les shields, hein. Il y avait les shields, mais bon, le vaisseau, il est immobile, c'est pas compliqué. Hein. Donc, du coup, voilà. Allez, je vais vous raid Franck. Il est où? Non, c'est pas Franck, c'est CK.
c'est Cafran. Voilà. Hop, allez, je vous envoie voir le copain Franck. Passez à tous une excellente soirée. On se retrouve du coup demain, peut-être 14h, sur le Stark. Je serai mieux reposé, ça ira beaucoup mieux du coup. Donc passez à tous une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous d'avoir été... Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément d'avoir été là. C'était super cool. Que ce soit ce soir ou cet après-midi. Merci d'avoir été au rendez-vous à chaque stream. Ça me fait énormément plaisir. Donc du coup, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à demain. Allez, bye bye les loups. Prenez soin de vous. Et merci encore. Je vous aime beaucoup. Bonne nuit, Tigre Noir. À demain. Bonne nuit au Keltas. À demain. Et bonne nuit à Eliana aussi. Et à qui d'autre? Et...